Et 73, les stations fréquences de la part de Dundee 33 sur l'autoroute en direction du... Je ne sais plus où je suis, moi. 73, c'est tout la station opérateur Michel, QTH, de Périgueux et Moulin. Ok, et bien là, je... je m'en vais en direction de Limoges, voilà, je suis sur l'autoroute. Les 73 de la part de Dundee 33, en mobile sur l'autoroute. Ok, la 833, le bon chiffre à toi, la bonne route, la prudence, et puis le très bon week-end qui s'annonce. Ah ça marche. Dundee 33, à Chitrocou, comme Crocodile Dundee, sauf que t'enlèves le croco, tu mets 33 à la place. Ouais, je m'en vais là ce week-end sur Mulhouse, directement là-haut en Alsace. Une petite balade comme ça, histoire de passer le temps. La station, j'ai pas eu trop cher, mais je te souhaite le bon week-end, et voilà, je suis aussi tenté sur le QRV, excuse-moi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, ouais, en plus j'arrive là à un péage, je vais voir pas mal de QRM. Les 73, bon week-end. Comment c'est la direction 21 et quelle parcours là? Voilà, c'est, on a passé le péage. Là on est en direction d'Angoulême. Voilà, toujours sur l'autoroute. J'appuie comme il faut sur l'accélérateur, peut-être je dis ça, mais je crois que je suis qu'à 120 quoi. Au lieu de 130. Hachi, c'est ça, hein, je me trompe pas, hein. Plus on roule vite, plus les ondes partent loin. Hachi, hein. 3 coups. Non, entre Limoges et. Non, je suis pas encore à Limoges, je suis en direction de Limoges. Voilà, j'ai pris l'autoroute du côté de Montpont-Ménestérol, de ce côté-là. Et là, je suis sur l'autoroute en direction de Limoges. Ah oui, il y a peut-être un filet de propague, hein, possible. Par moment j'ai un petit peu de mal à te sortir. Je sais pas à quoi c'est dû. J'ai pas regardé le signal. Je dis ça mais j'ai pas regardé le signal de mon côté. Ouais, ça a l'air d'être un Santiago de 2-3. Effectivement, c'est pas très épais. Ok, et puis en plus là je suis un petit peu encaissé là où je suis, là au niveau de l'autoroute. Donc effectivement en mobile comme ça, je suis en voiture, hein, donc ça fait un petit peu plus bas par rapport au bipède. Et c'est vrai que là je suis un petit peu caché là de mon côté. Ah ben tu vas dire attends, d'accord, donc de mon côté ça va. En plus là je suis en train de prendre un petit peu d'altitude. Et j'ai pas envie d'avancer ce matin, voilà, je remonte à 130. Voilà, là ça doit passer, là ça doit marcher. Okay. Ah oui, là ça domine. Là, je m'en vais, là en balade, jusqu'en Alsace. Et ce week-end, je vais être sur une assemblée générale. Tu connais peut-être le regroupement d'associations ERCI. Voilà, donc là, tout le week-end, là, c'est l'assemblée générale là, qui va se passer à Mulhouse. Voilà, donc là on va faire une étape là, ce soir sur Besançon, de ce côté-là. Voir un petit peu en même temps si le QSO du canal 27 fonctionne par là-bas, si on n'a pas autre chose de prévu. Et puis après, demain matin, on reprend la route direction Mulhouse. Ok, j'ai pas eu trop en vue, j'ai eu que tu prenais la direction pour Mulhouse matin, ok. Non, t'es pas mis pas, t'es un peu chaud, bien. Oui, affirmatif, en push. Ok, c'est pour ça, ouais. Ok, t'aurais été un peu plus lourd, mais bon, c'est pas peu important. Mais écoute, profite du bon week-end, amusez-vous bien, et puis la prudence, je te l'ai dit encore une fois. J'entends une autre station qui est de mon côté, alors je vais te laisser quelques instants. Ok, mais je n'attends pas du tout. Et 2073, bonne journée, à plus.
pas des doutes. Ok, bye bye. Merci, bye bye. Allez, t'es derrière. Bon, Manachin, je reviens sur ton poste initial. Tracteur là, et je vais aller faire mon jardin, je me suis décidé, tant pis, j'ai acheté mes plantes, tous mes tickets, tant pis, si j'ai un horaire. C'est qui tout double de village. Ouais, ouais. Mais moi, le micro-tracteur, là, j'ai voulu commander la merde, la courroie de transmission, bien sûr, il y en a qu'une, il était de 2009, il a compté 86 euros quand même. Ah oui, ça vient d'en compter les affaires. Oh là, c'est pas nouveau. J'ai bien fait d'acheter mon kit quand j'ai acheté mon micro-tracteur pour la tombe. Oula, je me rassure, là, tu vois de ce côté-là. Qu'il y a du monde, même sur le 19. Oui, déjà, ça a fait le rayon plusieurs fois, là, c'est bon, on va aller la commander. Ouais. C'est sûr qu'elle est tombée rade. Quand ça commence comme ça, au bout qu'elle commence à se craquer, là, c'est fini. Il y a quelqu'un, putain, en tête, toi. Ça dépend de Mimine. Mimine, c'est l'inésile qui choisit de me réveiller pour ses croquettes, soit à 4h, soit à 5h, soit à 6h. Ce matin, c'est des 5h30. Ok, parce que demain, moi, je vais sur la baraque de mon jeune, moi, qui l'a acheté, la sortie de château avec la Samanto. Et comme j'ai parti, mon beau-fils, on va faire du nettoyage. Je pense que c'est pas logique, peut-être se servir le café. Ah, oui, mais demain, je vais avoir un souci, c'est que j'ai pas connu le débat pour le week-end de Pâques, là. C'est pas des mois, hein. Juste je dis ça comme ça, mais c'est normal, un week-end et moi aussi. Donc, anniversaire et dimanche, donc dimanche de matin. Oui, j'ai une station derrière, David Trapois, je crois qu'il est en plus mobile. J'étais sur l'autoroute direction, il a pris de Menton, direction Paris, ou je sais plus. Ok, ben on va faire un break, il est encore là. Ah, bien entendu que je suis là. Les 73 de la station de la part de Dandy 33, voilà, sur l'autoroute, en direction de Limoges. Après Limoges, direction Besançon, qui sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Et demain matin, direction Mulhouse, là-bas en Alsace, pour l'Assemblée Générale de l'ERCI. Bonjour à vous. Ah mais justement, c'est ça que... Non mais attends, je suis à combien là? Oui, je suis sur l'autoroute, hachi. Oui mais bon, on prend le temps, comme ça permet de profiter du paysage et tout, il n'y a rien qui presse. Le principal c'est qu'on y arrive, et puis voilà, si certains font la course, pas moi. Ouais, je suis caché par une colline, donc là je vous entends quasiment plus. Voilà, je vous rentends à nouveau. Ouais, voilà, je commence à vous rentendre à nouveau. Ouais, j'étais en train de faire le tour d'une colline. Et ce qui fait du coup, là, je vous entendais plus du tout. Là. Ben, nous non plus. On croyait que c'était tombé un autre trou. Attention, station fréquence pour 14 ODR 557 qui lance l'appel. Oui,
14 DR, je sais plus, trois petits points, les 73-51, départ de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, Dundee 33 en mobile, sur l'autoroute entre Montpont-Ménestérol et Limoges. 73 à toi, Rémi 33, c'est Loris 24, Lolo 24. Eh ben, ça fait très plaisir de t'entendre, je pensais justement à toi ce matin, quand j'ai entendu du monde là sur Mucilan, je pensais pouvoir te copier, et ben, je sais maintenant, eh ben, ça fait plaisir, 73 Rémi. On passe sur le vin, je sais pas. Attends deux secondes. Ouais, désolé les stations derrière, ok, j'ai laissé un blanc pour que vous puissiez faire QSY sur le vin, comme je l'ai entendu. Merci pour ce petit QSO. Oui, ok, voilà, je suis toujours là. Et bien là, tu vois, là, je suis en train de je suis sur la route. Je suis en train de partir en direction de l'Assemblée Générale sur Mulhouse, de l'ERCI, qui a lieu sur Mulhouse. Et là, on va faire une première étape, là, ce soir, sur Besançon. Et suivant ce qu'on va faire là-bas, ben, peut-être que ce soir, je serai sur le QSO, enfin tout du moins lancé le QSO du canal 27 par là-bas. On verra bien s'il y a du monde, si on n'est pas coincé au restaurant, si on n'est pas coincé en balade. Ça dépendra de ce qu'on fera à ce moment-là. Ah putain, je t'ai déjà perdu. Hein. Je sais pas où tu es, je t'ai déjà perdu. Bon, ben tant pis, c'est pas grave. On se recopiera en retour. Les bonnes 73-51 à toi et bonne route. Ah, je t'ai juste deviné derrière. Ben, c'est bien dommage que c'était aussi court. Bon, ben c'est pas grave. À la prochaine. Merci pour le petit QSO. Ah, vous voyez l'avantage de l'analogique sur le numérique serait coupé net. Là, avec l'analogique, on a pu quand même vite fait se dire au revoir. Donc l'analogique a de bons jours devant soi encore. C'est sûr. Merde, allez, je ne sais pas si t'es encore. Ah, écoute, t'as reçu le mail. Voilà, je t'entends à nouveau, c'est à nouveau moi la Dundee 33, je t'ai à nouveau en fréquence. Attends, on va passer sur le canal 21. Si tu m'entends, le canal 21. Est-ce que tu es là? Voilà, je suis rendu, je sais pas, je te laisse un petit peu de temps, je sais pas si t'es là. Ah zut, apparemment t'as pas suivi. Attention, 14 ODR, je sais plus, j'ai oublié le numéro, passe le canal 21, si tu m'entends, le canal 21. Attention 14 ODR, je les appelle numéro. Attention 14 ODR pour Dante 33 qui t'appelle. Bon, un peu plus tard. Ah, je suis toujours sur l'autoroute. Alors. Qu'est-ce que j'ai comme repère? Ah bah alors là c'est l'autoroute, c'est pas évident pour trouver de repère. J'ai même pas un numéro, il n'y a rien. Ah zut. Je suis à la borne 129 si ça te parle, en direction de Limoges. Ça
a l'air de baisser là. Le retour bip là j'entends moins fort là déjà là, par rapport à tout à l'heure. Ok, merci, des bonnes choses 1351 à toi, bon week-end et profite bien du beau temps parce que là c'est bien parti pour. Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui l'on s'appelle sur l'autoroute sur la A89 en direction de Limoges. Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui l'on s'appelle sur l'autoroute A89 en direction de Clermont-Ferrand d'où on aperçoit eh bien, les montagnes avec de la neige dessus. Alors, ouais, il y a encore de la neige en altitude. Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui l'on s'appelle en mobile sur la A89 en direction de Clermont-Ferrand, Ussel, de ce côté-là. Won't you get filled and attention, les stations en fréquence pour Dundee 33 qui l'on s'appelle en mobile depuis la A89 en direction de Clermont-Ferrand. Là, depuis l'autoroute, on aperçoit la neige. À peut-être faire du ski en fin de compte aujourd'hui. Bon, ben tant pis. Bon les mecs, faut peut-être reprendre un petit peu de micro de temps en temps là. Ah, je chie trois coups. Il y avait une voiture radar en voiture rouge. J'étais en train d'attendre des clients. Attention les stations fréquences pour Dundee 33 qui l'on s'appelle depuis l'autoroute A89 en direction de Clermont-Ferrand. Attention les stations en fréquence pour Dundee 33 qui l'on s'appelle depuis l'autoroute A89 en Auvergne. On aperçoit encore les montagnes avec la neige dessus. Français ou pas français? Peut-être que j'arrive à les trouver. Et ils sont où? Ah ben je suis pas doué sur le coup. Bon d'accord. Attention les stations fréquence pour Dundee 33 qui l'on s'appelle depuis l'autoroute A71. Alors ce qu'on entend là, c'est les camping-caristes. Ils sont trois camping-cars les uns derrière les autres.
Les Espagnols, on les a doublés sur l'autoroute. C'est bien comme ça, le camping-car, d'avoir la CB. Ouais, ils se transmettent les infos là, directement, là, de suite. Attention, les stations en fréquence pour Dundee 33 qui lance appel. Byle bajurko, tak? Jest tego przy tych drogach samych. Zobacz, 31 jak jechałeś. Takim po prawej stronie właśnie. Bon, tant pis, on redescend au rez-de-chaussée. Attention, des stations en fréquence pour Dundee 33 qui lance appel depuis la nationale de 70. Sur les stations fréquence pour Dundee 33 qui lance appel depuis la nationale 70. Sur les stations en fréquence pour Dundee 33 qui lance appel depuis l'autoroute A6. Attention du mille pattes avec le chargement de voiture que j'ai doublé avec l'antenne d'Acuropro qui est au coin là, est-ce que tu es en fréquence? Attention des stations en fréquence pour Dundee 33 qui lance appel depuis l'autoroute A6 à la hauteur de Boone. Attention les stations fréquence pour Dundee 33 qui lance appel depuis la sortie d'autoroute à côté de Besançon. Prenez la première sortie. Attention les stations fréquence pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis la sortie d'autoroute à côté de Besançon.
On est sorti à 17h25 de chez CRT France. Ah, ils sont vraiment géniaux. N'hésitez pas à les appeler, à commander chez eux, il n'y a aucun problème. Attention, les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis entre la sortie du péage et Besançon. Bon, ok, on va faire un petit tour de VLU. CQ, à appel de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, en mobile sur dans les environs de Besançon. Ah je suis en mobile, donc pour moi là ce n'est pas forcément évident. C'est bizarre parce que vous êtes la première station qui me dit ça, gros. Ok, bon, c'est pas bien méchant. c'est pas bien méchant. On fait QSY sur la fréquence de votre choix. Ouais, ok, c'est normal, je suis pas loin de la bretelle de sortie là, de l'autoroute. Je suis en train d'attraper la direction de Besançon. Je disais, on fait QSY sur la fréquence de votre choix. Ok, c'est parti pour moi. Oui, affirmatif. Ouh, c'est Roger Bip. Vous avez un Roger Bip que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu. C'est un Roger Bip d'une base. C'est pas une base Jumbo, je ne sais plus ce que c'est comme base. Oui, affirmatif. Alors lui, on l'entend bien, il n'y a pas de problème. Ok. Mais pour moi, tout d'abord, petite présentation de moi-même. Vous avez les 73-51 de la barre de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, QRZ local sur la Gironde, Dundee 33. Voilà, et pour les conditions de trafic, eh bien, c'est un CRT 7009 avec comme antenne une Wilson 5000. Mais justement, là, on sort à l'instant là, de faire une petite visite là, chez CRT. Ok, ben là je viens de rentrer dans Besançon avec pas mal de QRM. Je suis en train de faire une petite vidéo actuellement. Si ça te dérange, il n'y a pas de problème, je coupe. Et puis je ferai ça, Hachi. Ok, pas de problème. Alors 14 kilomètres 33-01. Voilà, 14 kilomètres 33-01. Ok, je suis en train de marquer le seul opérateur, s'il te plaît.
Alors Rémi, Romeo, Echo, Mike, Yankee, Rémi. Ok, d'accord, ouais, bon, c'est pas bien méchant. C'est peut-être la température qui fait ça, je sais pas, puisque jusqu'à maintenant sur la Gironde, je n'avais aucun problème du côté décalage en fréquence. Je suis en train d'éteindre le GPS parce que là on est arrivé à destination. Alors voilà, ok, c'est bon. D'accord. Tout à l'heure, je te demandais si ça te dérangeait pas que je fasse une petite vidéo. Et du coup, j'ai pas compris, avec les QRM, j'ai pas eu Roger. Ta vidéo, il n'y a pas de souci. Petite question, tu veux avoir un souci? Oui, affirmatif. Voilà, alors le poste. Attends, voilà, je suis en train de mieux me garer parce que là j'étais un petit peu garé comme à la. Que je te pousse. Hachi. Oui, alors là j'ai le 7009. Il y a ce que j'appelle la boîte de mirror qui est branchée entre le poste et l'antenne. Donc, tu as compris de quoi il s'agit. Un joli petit Zetagi B550P. Voilà, donc je rentre dedans seulement qu'à 50%. J'ai pas besoin de plus pour ne pas dépasser la position 4. Ce qui est grandement différent. Je ne cherche pas plus, comme ça, ça me permet d'être à égal aux stations fixes. Voilà, c'était un peu ce que je recherchais là au niveau du mobile. Et pour l'antenne, eh bien, c'est la Wilson 5000 en version perçage. Ouais, toi, tu viens de revenir. Ok, ça fonctionne bien, bah, après, par exemple, faut pas envoyer trop fort, hein, c'est un coup à pourrir, en plus de ça sature. Quand on a la petite boîte, comme tu dis, entre la mettre à l'antenne. La radio est bonne, hein. La radio est bonne, impeccable, je sais pas exactement combien t'as ouvert. Ok, j'avoue qu'il est là. Bon, là, je vais pas monter la vidéo là aujourd'hui parce que là, je suis en train de. Là, on s'est arrêté là, à l'hôtel là, à Besançon. Et là, après demain, on monte sur Mulhouse. Voilà pour l'assemblée générale de l'ERCI. Plus un petit peu de vacances dans les environs. On va peut-être passer un petit peu la frontière, côté Allemagne, côté Suisse. Enfin, ça, c'est pour le plan A. On verra bien après avec le plan B. Hachi, trois coups. Donc là, je vais pas m'occuper de suite là du montage vidéo. Hein. Mais bon, de toute façon, tu le verras bien quand tout ça sera fait. Alors, dans les surprises sur la vidéo. Alors attends, non c'est bon, c'est moi qui fais le con. Dans les surprises sur la vidéo, en début, tu trouveras une partie là en AM sur le 19 où on retrouve déjà pas mal de monde pour enchaîner bah, avec toi en BLU. Ok, que ça, Rémi. Ok, bah, tu sais, il y a plus grand monde, la CB a été victime de son succès il y a déjà longtemps. Par rapport aux vidéos que j'ai déjà vu que tu mettais sur YouTube, c'est très bien d'essayer de relancer ça. Évidemment, dans les camions, il n'y en a plus, hein, ils ont tous leur GPS et le téléphone portable, mais c'est vrai que dans les années 80, c'est pas vrai, je suppose, on est victime de son succès, puis
toujours en train de semer le bazar sur les fréquences, sur le 19 AM, le 27, en AM aussi, le 11, en FM. Et de mémoire, c'était pas le 555, on était sur le 44, donc le 4 supérieur en BLU. Donc voilà, il y a eu du chemin de fer, et puis bah, comme tout le monde, j'ai arrêté. Et puis je m'y suis mis parce que, voilà, amoureux de la radio, et puis voilà, comme c'est très bien, j'ai vu pas mal de tes vidéos, où j'ai remarqué que t'essayais de relancer un peu ça, et puis il y a aussi 14FX, je ne sais plus son prénom, du côté du Rouge, qui lui, pareil, fait pas mal de vidéos sympas, ils m'ont arrêté sur le ballon d'Alsace, dans les endroits comme ça, là. Et c'est bien d'avoir des passionnés comme ça, et qui ne sont pas radio amateurs, qui ne font pas partie de la caste assis, retour micro. Ok, merci pour le retour. Alors, pour ma part, il n'y a pas que les vidéos, il y a aussi le forum La Planète Sibi francophone, le groupe Facebook du même nom, le groupe sur MeWe du même nom aussi. J'ai plusieurs blogs, Dundee 33 et aussi La Planète Sibi francophone. Je suis sur plusieurs forums routiers, automobiles, radio, pour tout ça, quoi. Voilà, et de plus en plus de monde reviennent à Sibi, hein. Alors par ici, je sais pas, je découvre, voilà, on vient juste d'arriver. C'est vrai que sur la partie, sur cette partie-là, à partir du centre jusqu'à ici, c'est vrai que c'est assez calme. Si j'ai entendu des camping-caristes, ça a été tout. Mais autrement, c'est vrai que c'est un secteur qui est relativement calme. Donc, va falloir repeupler ça à chi trois coups. Ok, oui, tout à fait. Il y a un peu de camping-car, un peu, mais il n'y a plus grand-chose, quoi. C'est vrai qu'il y en a qui viennent, on commence à entendre les anciens un petit peu, là, qui viennent pointer le bout en nez, puis qui branchent le DX, peut-être qu'ils vont arriver un peu à la retraite, puis. Ouais, je trouve qu'ils font un peu de rangement dans leur garage ou dans leur grenier, puis ils tombent sur un ancien président de rente ou des choses que faire, quoi. Puis ils le remettent en marche, c'est sympa de se contacter, quoi. C'est toujours sympa. Mais c'est vrai que sur la route, à part les paysans, comme tu dis, les gars qui sont équipés avec les postes de suivi, en France, il n'y a plus rien, plus grand chose. Ça risque bien de revenir, ça risque bien de revenir, quoi. Voilà, on est en tournée, quoi. Ouais, merci pour le retour de micro. Alors, de mon côté, alors si tu vas sur le forum Fier d'être routier, tu verras que là, il s'y intéresse toujours. Hein. Il y en a qui sont en train de se rééquiper là, en ce moment même. Du côté Facebook, il y a des groupes qui se multiplient de tous les côtés. C'est un très bon signe. Et pour ma part, sur le forum, eh bien, le membre le plus jeune, vraiment passionné par la radio, eh bien, il a 13 ans. Comme quoi, même s'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la Sibi, il y en a quand même quelques-uns. Par contre, là, je suis en train de voir l'heure. Je vais être obligé de passer QRT. Et très content de t'avoir eu en fréquence, d'avoir fait ce petit QSO de ce côté-ci de la France. Alors, les bonnes 113 à toi et à la prochaine sur les ondes ou via internet. Ouais, ok, Rémi, pas de problème. Hein. Moi aussi, ça m'a bien fait plaisir de te parler un petit coup. Là. Je pensais que c'était plus loin que ça, mais vraiment, pour parler de Besançon, il n'y a pas grand chose. Alors, Besançon est allé, on a une petite centaine de kilomètres entre les deux. Mais peut-être qu'un jour, on se chopera sur les ondes là, et puis tu seras, je sais pas trop, tu seras dans le 33, j'imagine, je pense. Et puis, on pourra faire un petit peu de DX avec la propagation, ça va mieux. Voilà, René. Donc, c'est ton 351, merci pour le petit curso, puis à une prochaine, puis je vais voir un coup sur YouTube, quoi. Allez, merci bien, bonne route, bye bye. Ok, voilà, juste le temps que je puisse faire le montage vidéo. Vu comment c'est parti, il y a des chances que je m'occupe de ça qu'au retour, donc on sait pas quand. dans la semaine, peut-être fin de semaine, je sais pas trop. Ça sera suivant comment on l'aura décidé. Mais il n'y a pas de problème, hein, ça sera mis en ligne. Pour le QTH, c'est du côté de Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille, la Gironde, quoi, la Gironde côté Est. Voilà pour le QTH. Merci pour le QSO, bye bye. Ok,
Bye bye. Alors, petite visite des lieux après cette trompée d'hôtel. Ça, c'est la. C'est coupé. Il fallait qu'elle nous la fasse à Chitroico. Entre l'YL qui indique la route et le GPS qui vous indique autre chose, je vous dis pas le merdier dans tout ça pour arriver à se retrouver. Il n'y a que les gens qui font rien qui se trompent pas, hein, Rémi? Allez, venons. À Chi. Je crois que c'était en société, quoi, là-bas. Mais oh, ce paysage qu'il y a là-haut sur la montagne, il y aurait bien un truc à faire. Hein. Mais je suis pas sûr que la voiture y monte. Encore à droite, non? Ça bouchonne. Ah bah ben on dirait qu'on est vraiment pas très loin. Attention, les stations fréquence pour Dandy 33 qui lance appel pour le QSE national du canal 27, section Nord-Est France. Est-ce qu'il y a du monde en fréquence? Attention, les stations fréquences pour Dandy 33 qui lance appel pour le QSO national du canal 27, section Nord-Est France. Est-ce qu'il y a du monde? Attention, les stations fréquences pour 14 km 3301, Dandy 33, opérateur Rémi, en mobile sur Besançon. Est-ce qu'il y a quelqu'un celui-là pour le QSO national du canal 27, section Nord-Est? Eh bien, c'est pas grave. Bon QSO, bonne 73 au SWL qui pourrait y avoir derrière. À la prochaine. Il y a du monde derrière. Il y a quand même de l'activité malgré tout. Il faut dire qu'on est placé là.
On est en pleine ville, en plein quartier, coincé entre les bâtiments. Forcément, ça aide pas trop.